Salut tout le monde, c'est Xeka, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Rainbow Six Siege sur 3 cams Valky complètement pété, indétectable. Donc vous allez directement prendre votre première caméra, la balancer derrière l'arbre. Et normalement, là vous aurez un grand espace de vue, vraiment immense. Et vous pourrez même pinguer les ennemis derrière l'arbre. Et pour ça, c'est vraiment super bien. Et vraiment, à ce fond dans le décor, j'aurai vraiment toute petite au milieu d'une grande masse. Donc c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bref, passons tout de suite à la deuxième. Donc pour ceci, vous allez vous mettre sous les escaliers. Voilà, vous allez vous mettre allongé. Juste une petite caméra comme ça. Et là, normalement, vous aurez vraiment les deux étages de suite. Et pour celle-ci, je vous la recommande pas top top, même si elle est vraiment bien cachée et on peut voir en même temps, vu qu'il y avait la première, on a un angle de vue de chaque côté de la tour. Et je me suis dit, bon, il manque un endroit, c'est vrai qu'on attaque beaucoup multimédia en classé. Et là, directement, j'ai pensé à une petite cam qu'on pourrait mettre au-dessus des distributeurs. Donc là, j'ai cherché, j'ai posé une première cam qui n'a pas marché. Donc je vous ai mis un peu en vitesse x2 pour vous montrer comment... J'essaye d'arranger mes caméras. Donc là, je me suis décalé le plus possible. J'ai essayé de lancer. Boum. J'ai vu comme quoi ça n'allait pas. Et là, j'ai complètement lancé un peu plus au-dessus. Et là, vraiment une caméra indétectable. Vraiment, pour le pré-shoot, c'est super. C4 mitraillette. Bref, c'est un délire. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de revenir de temps en temps vers vous. Et je vous mets les vidéos en précommande. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.